Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mancillon, j'espère que vous passez une excellente journée, un très bon dimanche. Je viens pour discuter un petit peu de différentes idées, certains sur le plan terrestre et après discuter de choses plus spirituelles. Mais avant, je voulais vous montrer un petit peu ce fabuleux décor que l'on a ici. De la neige là-bas encore, sur les montagnes. Juste un petit tour d'horizon. Hein. Donc voilà, c'est d'abord aujourd'hui je voudrais célébrer la naissance d'un ami. C'est un jour de, il y a plein de gens qui célèbrent la naissance, enfin c'est un ami, c'est le Christ, c'est le Joshua Sananda, Christ Michael, le maître ascensionné, qui il y a beaucoup de gens qui célèbrent sa naissance le 24 décembre. Moi personnellement, j'ai toujours célébré depuis longtemps sa naissance, le jour de cette naissance, le 21 août, parce qu'il est, pour moi, il est né en l'an moins 7, pas l'an 0, mais l'an moins 7 de 21 août. Et donc, c'était aussi la première fois que je l'ai rencontré, c'était en 1993, dans une église dans Colorado, dans Littleton, où il y avait une célébration pour célébrer le 2000 ans de sa naissance. Je voulais aussi saluer Anthony, mon ami Anthony, qui est né le même jour aussi à Rouen. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu cette célébration. Mais enfin bon, les dates terrestres n'ont pas vraiment d'importance. On est en train de rentrer dans le présent, hein, de plus en plus, se rentrer dans le présent, dans la connexion avec son âme. Et comprendre aussi, excusez de trois idées, c'est que les apparences sont trompeuses. Hein. Quand on regarde les apparences, on a l'impression qu'on a été catapulté dans un asile de fous. Mais en réalité, c'est tout un plan divin qui est en train de se dérouler, qui est en train de transformer les choses, qui est en train de déplacer tous les éléments pour révéler tout ça. Et donc c'est vraiment la réalité de la surface n'a vraiment... Il ne faut pas donner de pouvoir à la réalité de surface, il faut essayer de trouver son indépendance par rapport à tout ce programme pour pouvoir se libérer, que ce soit matériellement, intellectuellement, émotionnellement, psychiquement, et se retourner sur le bonheur, la joie de vivre. Hein. C'est très important, c'est pour ça que cette planète a été créée. Et vu qu'on est dans la quatrième dimension, ce que l'on choisit de croire devient réel. Hein. Donc c'est très important de ne pas suivre tous ces mensonges. Il a été prévu, il a été annoncé, il a été prophétisé qu'à la fin des temps, les mensonges seraient la vérité, que la vérité serait le mensonge, que le noir serait le blanc, que le blanc serait le noir, que le bien serait le mal, que le mal serait le bien. Donc tout ça, c'est pour permettre aux gens d'arriver à s'autodéterminer par rapport à ce qu'eux ressentent. Est-ce qu'ils acceptent des réalités qui n'ont aucun sens ou est-ce qu'ils choisissent de remettre en question les autorités extérieures pour arriver à déterminer une vérité qui leur fait du bien qui... Alors, parce que bon, c'est vraiment, on doit vraiment faire un choix personnel sur la relation entre ce que l'on choisit de croire, ce que l'on choisit d'adopter, ce que l'on choisit de la ligne temporelle qui va se dessiner progressivement. Il y a ces deux lignes temporelles hein, qui une qui est plus sombre et une qui est plus lumineuse. Mais l'esprit a les moyens, s'il voit, bon, c'est de l'ordre d'une temporelle, elles sont termelées, hein. Mais disons que l'esprit a les moyens de... S'il voit que ça va trop loin, il peut pouf enlever quelque chose et revenir en arrière et de replacer tout le monde dans la ligne temporelle qui évolue. En réalité, il y a beaucoup plus de contrôle. Ce qui est en train de se passer, c'est que on doit éliminer les deux groupes extraterrestres négatifs qu'on doit éliminer, c'est les Archons et les Draco-Reptiliens. Tout ça, c'est... Les Orions sont plus un problème, les Gris, tout ça, c'est plus un problème. Mais bon, ça, il y a encore tout un nettoyage. Je ne sais pas encore comment ça se. Enfin bon, faut pas s'en inquiéter. Faut pas. C'est eux qui contrôlent ce programme, hein, le programme de la ligne temporelle inférieure. C'est eux qui ont mis les choses en place dans cette matrice fantôme pour arriver à contrôler, se nourrir d'énergie négative. Parce que tous ces êtres négatifs n'ont aucun pouvoir s'ils n'ont pas de quelqu'un pour se nourrir. Ils se nourrissent des sortes de vampires d'énergie. Et donc éventuellement, ils vont devoir réapprendre eux-mêmes, parce qu'ils sont en train, une fois qu'ils n'ont plus de source de nourriture, ils s'autodétruisent. Hein. Donc, parce que comprendre aussi qu'on a tous vécu beaucoup plus de vie dans des plans supérieurs, des plans ascensionnés, des paradis, des endroits paradisiaques. Mais à un moment donné, l'âme a besoin d'évoluer plus. Donc toutes les âmes se fragmentent hein, pour avoir plus d'une expérience. Et à un moment donné, toutes les âmes choisissent d'intégrer des matrices inférieures pour évoluer plus, pour grandir plus. Parce que bon, c'est quelque chose qui... Il y a toute la vérité, mais de connaître la séparation de la vérité, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Avant que Dieu crée l'univers, il n'y avait pas d'absence de réalité, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas... Mais à un moment donné, l'évolution doit continuer. Et pour ne pas s'oublier, Dieu s'est fragmenté en un nombre infini de formes, comme nous, vous, comme les arbres, les plantes, les animaux...
Et tout ça, c'est une seule vie, en fin de compte, qui vit ensemble. Hein. Toute la nature est déjà dans cette ascension procédée, de ce procédé d'ascension. Il n'y a plus que l'humain et tous ces machins qui, et leur procédés qui sont encore accrochés dans cette matrice de la troisième dimension. Mais la nature est déjà complètement connectée dans cette sphère. Donc, connectée avec la nature, ne passez pas toute votre vie dans ce que vous voulez. Tout le monde fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour... Mais enfin, les écrans, tout ça, les métaverses, les écrans, les réseaux sociaux, tout ça, c'est un truc gréco-reptilien quand même, hein, pour entraîner. On s'en sert, hein, on s'en sert, on l'utilise, on connecte, on envoie de la lumière dans tout ça. Mais beaucoup de gens sont soumis à des programmes de conditionnement que la matrice leur envoie, hein, on les nourrit. Comme ça, donc il va falloir vraiment continuer à envoyer de la lumière, continuer à rester indépendant par rapport à tout ça, pouvoir déterminer de ce que l'on choisit, hein. Donc, par contre, quand une âme descend, on descend d'un monde très pur et très léger et très lumineux. Et des âmes descendent ici dans le monde impur et lourd du monde terrestre, du monde de la physicalité. Originellement, les dieux, les créateurs de notre univers avaient donné, dit, ne descendez pas en dessous de la quatrième dimension. Mais petit à petit, alors bon, on était arrivé au départ, on était dans la douzième dimension sur cette planète. On se nourrissait de l'arbre de la vie, on se nourrissait de prana, on était complètement intégré dans la réalité de la lumière des plans supérieurs. Et petit à petit, il y a eu une descente en conscience, on est tombé dans la survie, on a dû se nourrir de choses matérielles, notre esprit est devenu extrêmement limité. Donc il faut vraiment apprendre à prendre conscience de nos limitations et petit à petit ouvrir notre esprit pour se débarrasser de toutes ces limitations. Parce que quand les âmes descendent ici, c'est quelque chose de tout nouveau, tout beau, hein, l'impur, ah, on ne connaît pas l'impur, donc on va jouer avec l'impur. Et puis au bout d'un moment, l'âme a joué beaucoup avec l'impur, mais il récolte le fruit de sa création. Et donc, elle subit l'impur. Et à un moment donné, elle commence à se dire, bon, je vais arrêter de créer l'impur pour arrêter de le subir. Et petit à petit, il y a cette voix très douce, très gentille qui ramène les âmes progressivement vers la lumière, vers la libération de toutes ces phases. Une fois qu'on a appris les leçons de l'impur, on doit apprendre les leçons du pur. Jusqu'au jour où on pourra intégrer l'universalité dans son ensemble. Il faut d'abord revenir de l'impur au pur, du lourd au léger, avant de s'intéresser, de pouvoir intégrer ces choses plus lourdes de manière lucide, disons. Et donc, c'est pas parce qu'on est passé de l'arbre de la vie, l'unité, l'amour, la connaissance, la connexion universelle, à l'arbre de la connaissance progressivement, le bien, le mal. Et donc, il faut pas se laisser, c'est ce qui nous a limité dans notre esprit. Et donc, enfin maintenant, c'est vraiment une opportunité sans précédent de retourner à l'amour, de choisir, vouloir retourner à la source. Hein. Tout le monde, tous les êtres, toutes les choses viennent du paradis. Et trop tôt ou tard, elles doivent y retourner, il n'y a pas d'autre possibilité, tout vient de Dieu. Et donc, mais quand Dieu ne va pas choisir, vu que le temps est éternel, il laisse les âmes s'autodéterminer. Donc c'est juste par l'intention, hein. Par l'intention et de suivre la voie, de se relaxer, se détendre, suivre la guidance de l'esprit. Parce que les humains ont oublié qui ils étaient, ils ont oublié d'où ils viennent et combien riche est leur nature originelle. La réalité de Dieu est une richesse. Tout ça, c'est des choses, c'est de la conscience, hein, c'est élever de sa conscience pour arriver à intégrer des fréquences plus subtiles. C'est ce qu'on doit, pardonner, on doit suivre nos passions aussi. Qu'est-ce que ce désir? Le désir, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. Donc il y a des désirs impurs, après cela, on doit les écarter, mais il y a des choses qui nous apportent de la joie. Donc concentrez-vous sur ces choses que vous savez vous apportent de la joie, du bonheur, tout en respectant la règle d'or, ne pas nuire à soi-même, ne pas nuire aux autres. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se pardonner pour tous les moments d'inconscience, parce qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Si on avait pu faire mieux, tout le monde, s'il pouvait faire mieux, il ferait mieux. Donc c'est juste qu'il faut, il y a des gens qui changent plus vite que d'autres, donc il faut arriver à accepter des fois d'être flexible, que tous les jours, remettre en question sa réalité tous les jours, tout en sachant qu'il y a une ligne directive qui conduit le procédé. Donc c'est beaucoup plus important de pratiquer la vibration de ce que l'on veut plutôt que de se plaindre des choses qui nous limitent et toutes ces choses, ces manifestations extérieures vont continuer. Donc ayez confiance dans la perfection du développement du plan du Père, du plan de l'univers, du plan de Dieu. Et donc, suivez votre propre voie.
Et personnellement, bon, je suis assez anti-woke, tous ces trucs qui veulent détruire la famille, toutes les valeurs du vrai, du beau, du bien, c'est perdre l'identité sexuelle, perdre la culture, perdre ça, le sens de la race, on n'a plus de cœur, on n'a plus de culture, on est tous juste des numéros dans un ordinateur, c'est leur programme. Je suis aussi contre les véhicules électriques. Disons, bon, quand je regarde Elon Musk, par exemple, avec Tesla, il a des fois, un jour, il va amener des choses qui sont vraiment très importantes pour la lumière, et de l'autre côté, le lendemain, il va amener des choses qui supportent le programme Draco reptilien. Et donc, c'est vraiment, bon, il faut prendre les choses avec équilibre. Si on avait pu développer des batteries électriques au moment de la première crise pétrolière, on aurait des technologies électriques qui fonctionnent actuellement. Mais pour le moment, la manière dont c'est fait, c'est vraiment une sorte de catastrophe écologique qu'ils sont en train de préparer. Et puis en plus, le seul avantage, c'est qu'elles sont silencieuses et qu'elles n'émettent pas très peu dans leur utilisation de carbone dioxyde. Mais sinon, c'est vraiment complètement. Moi, je suis contre la guerre, contre la pauvreté, contre le nucléaire, toutes ces choses-là. On va venir progressivement. À partir du moment où les gens acceptent la fréquence inférieure, le potentiel d'une réalité, d'une idée supérieure ne peut pas venir. Mais petit à petit, là, il y a vraiment tout un procédé qui est guidé pour arriver à amener ces nouvelles idées qui vont pouvoir germer, apparaître de nulle part, des choses qui sont vraiment... Il y a plein de gens, il y a des millions d'âmes qui ont plein de bonnes idées, et bientôt tout ça va se coordonner. Donc c'est vraiment important de continuer l'agenda de la paix, hein, l'agenda de... Parce qu'il y a eu tellement de guerres depuis des millénaires qu'il y a besoin d'expurger tout ce karma. Là, c'est la fin des guerres, là. C'est la fin des programmes de guerre. Il faut essayer de continuer à cultiver la paix à l'intérieur et d'amener la paix sur la planète. C'est ce qu'on va rechercher quand même, hein. Et donc, la clé, c'est de respirer profondément et se relaxer, hein, le plus possible. Et donc je parlerai de divinité dans la prochaine vidéo, là, parce que bon, c'est un peu pas la faire trop longue, quoique. Et puis je me demande des fois, peut-être que plus intéressé, les gens sont plus intéressés par ce qui se passe sur Terre que sur les programmes spirituels. Mais donc je referai une vidéo pour parler de ça. Je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Et puis si vous voulez une session privée, j'ai arrêté les oracles parce que les oracles collectifs n'ont plus aucun sens. Des fois, on peut chercher une réflexion du monde spirituel d'une manière ou d'une autre. Le I Ching, le tarot, toutes ces choses-là sont acceptables du moment qu'on ne cherche pas à prédire le futur, juste prendre ça révèle des choses de la conscience, mais enfin là c'est plus approprié dans ces vidéos. Je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson qui s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Voilà, que la grâce, c'est vraiment se concentrer sur les choses qui nous font du bien. Aussi, je veux dire, je suis contre toutes ces éoliennes, là, c'est une catastrophe écologique pour les animaux, la nature. Pourquoi pas faire des voitures avec des éoliennes dessus? Il y a un peu de vent, pouf, on fait 100 mètres et on s'arrête, on attend que le vent reprenne, pouf, et on fait 100 mètres. Bon, c'était une idée un peu loufoque qui m'est passée par la tête. Voilà, bah écoutez, je vous salue, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. Adonai.